durant surtout le dernier week-end et ce début de semaine. Donc, on a eu une hausse assez marquée des températures sur la majeure partie du pays. Il faut dire que cette hausse a aussi concerné même l'Europe occidentale, sur la France et également sur les régions de les îles britanniques jusqu'à l'Espagne. Cette hausse des températures, elle est due premièrement à un anticyclone donc qui est centré sur l'Europe et surtout et jusqu'à les régions du nord de notre pays. Donc, il a dirigé parfois des vents du sud qui ont amené donc des masses d'air chaude en provenance du sud et qui ont haussé la température jusqu'à les régions au sud du pays, donc et même jusqu'à la région de Casablanca. Casablanca, donc on a enregistré surtout ce week-end de 24 degrés. Alors que la normale, c'est-à-dire de novembre, généralement, c'est 22 degrés. La hausse, surtout par rapport à l'année dernière, sur la même période, on a eu donc jusqu'à 2, voire jusqu'à 4 degrés en hausse par rapport à la normale, surtout sur les régions centre et sud du pays, donc les régions de Terre-Haute, avec une moyenne de 35 degrés, alors que la moyenne c'est 27 degrés, donc on a enregistré durant le dernier week-end 34 voire 35 degrés. Et donc, au Maroc, au-dessus de 2 jusqu'à 5 degrés, par contre, sur l'Europe occidentale, voire 8 jusqu'à 10 degrés par rapport à la normale. Il faut dire qu'il y a une hausse par rapport à la normale qui est de l'ordre de 2, voire jusqu'à 5 degrés, mais ce n'est pas un sujet à inquiéter parce qu'on peut revenir, c'est-à-dire vers les normales à partir donc de la semaine prochaine.